bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vieille Ville. Donc bien, comme l'épisode précédent, hein, le son n'a pas été enregistré au moment de l'enregistrement de l'épisode. Donc, l'épisode là, ce qui était prévu, je crois que c'était finir la boucherie qui n'avait pas été finie la dernière fois. Qui avait juste été planifié, voilà. Donc là, je cherche où sont les meubles de la boucherie en galérant un petit peu quand même, comme à chaque fois que je cherche un truc dans ce jeu-là. Et après, il n'y a pas grand-chose d'autre non plus, à part la construction de quelques barils pour ranger un peu la nourriture, l'arrêt de quelques moulins, et la tentative de se rappeler après s'ils ont été arrêtés ou pas, ce qui n'était pas forcément hyper évident, et toujours la grande question de « mais pourquoi n'utilise-t-il qu'une seule boulangerie ?» Mais bon, il doit y avoir une raison quelque part. Mais ça, c'est vrai que je ne sais toujours pas pourquoi. Et là, en même temps, on voit dans le log que Skid est en train de déboîter des gens. Et donc là, je me pose aussi la question de « mais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas de route ni rien ?» Pourtant, ils ont du caillou, tout ça, et... Et après, je me rends compte assez rapidement que... Mais oui, c'est vrai que je crois que construire les trucs vient dans les priorités après extraire. Donc du coup, on leur demande de n'extraire plus qu'une ligne et ça va sûrement beaucoup, beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est un peu le résumé de ce qui va se passer dans le petit accéléré qui va suivre. Et donc je vous propose de tout de suite enchaîner vers la petite accélération de l'épisode, de ce qui va se passer dans l'épisode, et bien comme à l'épisode précédent, on va se retrouver à la fin pour le petit dernier mot avant de se quitter, donc ça va faire un épisode qui va être sûrement extrêmement court, et celui d'après va être encore plus court, mais en même temps ça m'arrange plutôt, puisque ouais, ça va me permettre de les uploader beaucoup beaucoup plus vite. Et bah, encore vraiment désolé d'avoir raté ça, d'avoir juste pas sélectionné le bon micro quand j'ai enregistré. Et du coup, je vais corriger ça pour la prochaine fois. Et, comme à chaque fois, j'espère que ça ne se reproduira pas trop souvent. Mais ça, on verra. A tout à l'heure.
et du coup on se retrouve avec quelques nouveaux vitoyens, ce qui est pas plus mal pour nous, un enclos presque terminé, et surtout, quelque chose qui j'espère devra arriver à l'écran assez rapidement, puisque je pense qu'à ce moment-là, je l'avais déjà lancé en construction, donc là je suis en train de regarder les magiciens, et tout ça et de me dire que c'est quand même plutôt pratique d'avoir un magicien qui glace les gens et qui en même temps les transforme en petits cochons. Et donc là, normalement, on ne devrait plus trop tarder à se voir, mais on va déjà commencer à se dire bonne journée, bonne soirée, bon n'importe quoi en fait, comme d'habitude. Hein, choisissez comme toujours le terme qui correspond au moment où vous en êtes de la journée. Et puis, à très bientôt dans un nouvel épisode de La Véville. Et avant de partir, on va admirer la statue de Punchwood que j'ai mis devant la taverne pour rappeler à tous les héros que Sir Punchwood, c'est quelqu'un qu'il faut penser à imiter. Allez, au revoir.